les infos nationales avec notre rédaction nationale. En direct de notre rédaction, les dernières actualités. Les dirigeants des pays de l'Union européenne sont réunis à Bratislava sans le Royaume-Uni pour tracer les contours de l'Europe post-Brexit. Un sommet informel où la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la relance de la défense européenne, mais aussi les questions de croissance et d'emploi dominent les débats. À son arrivée dans la capitale slovaque, la chancelière allemande Angela Merkel a reconnu que l'Union européenne était dans une situation critique. Le président français François Hollande a mis, lui, en garde contre une dislocation de l'Union européenne. Bratislava, ça doit être pour les Européens une impulsion nouvelle. Chacun connaît la situation. Le Royaume-Uni a décidé de sortir. Il y a des interrogations sur l'avenir de l'Europe. Alors, soit c'est la dislocation, soit c'est au contraire la volonté commune de donner un projet à l'Europe. De nombreux sujets divisent toujours les 27, comme la question des travailleurs détachés ou la répartition des réfugiés dans l'Union européenne depuis l'Italie ou la Grèce. En Syrie, de violents combats opposent le régime syrien à des rebelles dans la périphérie est de Damas. Il s'agit de la plus sérieuse violation de la trêve en vigueur depuis lundi, alors que des centaines de milliers de Syriens attendent toujours l'aide humanitaire promise par l'ONU. Des camions remplis de nourriture et de médicaments pour les habitants assiégés d'Alep sont toujours bloqués à la frontière turque. Hier, l'ONU a exhorté le régime de Damas à débloquer immédiatement la distribution de l'aide. Et puis en France, un campement d'au moins 1500 migrants dans le nord de Paris, où Soudanais, Afghans et Érythréens se sont installés dans des conditions sanitaires déplorables, a commencé à être évacué ce matin. Aux Philippines, les appels à enquêter sur le président Duterte se multiplient après des accusations explosives selon lesquelles il a personnellement abattu un fonctionnaire et ordonné le meurtre d'un millier de personnes. Alors qu'il était maire, un homme se présentant comme un tueur repenti a fait ses déclarations devant le Sénat. La justice américaine demande à la Deutsche Bank de verser une amende record de 14 milliards de dollars pour solder un litige immobilier remontant à la crise financière de 2008. La banque allemande est accusée, comme d'autres banques, d'avoir vendu des produits financiers toxiques. Et puis la justice suédoise maintient le mandat d'arrêt européen qui vise le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, dans une enquête pour viol dans son pays. Assange est réfugié depuis 2012 à l'ambassade d'Équateur à Londres. Enfin, on vient d'apprendre le décès de l'ancien président italien Xiangpi à l'âge de 95 ans. La météo, un temps général ensoleillé, plus couvert à l'ouest, les températures entre 17 et 32 degrés. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche. Bonsoir, bonjour plutôt, il est 8h59, il est 9h, mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI et c'est un plaisir d'être avec vous pour vous parler des dernières actualités ardennaises. Dans quelques instants, Ingrid va intervenir pour adapter donc sa presse à elle en termes de ce qui est donc important et qui peut vraiment être de l'information en général concernant le département des Ardennes. Nous allons maintenant l'écouter. Vous êtes sur RC, il est 9h du matin et nous sommes le 19 septembre. Régionales,
Local avec notre rédaction Ardennes. Bonjour, Ardennes. La formation, une priorité pour l'emploi. Conférence de presse par la région et Pôle emploi pour la mise en œuvre du plan de 500 000 formations dans les Ardennes. Un mort dans une collision entre un train et un poids lourd à Ebbe. Un père de famille retrouve les corps de ses deux enfants et leur mère à son domicile. Hypothèse criminelle. Migrants, les villes de Charleville et de Sedan favorables à l'accueil. Sport, Sedan battu par Chambly. Un groupe d'invest dans les Ardennes pour découvrir les opportunités avec le club en direct de notre rédaction, les dernières actualités. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche. Vous êtes bien à l'écoute d'Autoroute Info. On fait le point sur vos conditions de circulation à 8h30. Xavier Ferrand. Avec les habituelles difficultés de début de journée à Paris, à Lyon, à Clermont-Ferrand, on va y revenir dans un instant. Avant cela, deux informations qui vous concernent. Si vous roulez sur l'autoroute A39, la dernière en date, un chevreuil a été signalé à proximité de la chaussée aux environs du kilomètre 127 entre la sortie numéro 10 et la bifurcation avec l'autoroute A40. L'animal a plutôt été vu en direction de Lyon. Et comme il peut traverser les voies, vous êtes concerné dans les deux sens de circulation. Et puis je vous signalais aussi un accident au kilomètre 114 de cette autoroute A39. Le véhicule a été évacué. Dans le département de l'Ain, sur l'A404, dans le secteur d'Oyonnax et en direction de Lyon, des obstacles sont signalés sur les voies aux environs du kilomètre 17. C'est après à la sortie numéro 11. C'est un camion qui a perdu une partie de son chargement sur cette autoroute A404 en direction de Lyon. C'est aux environs du kilomètre 17. Des agents de sécurité sont en route pour aller ramasser ces obstacles. En région lyonnaise, bouchon sur l'autoroute A42 en direction du périphérique lyonnais. Bouchon à partir du kilomètre 5, à partir du kilomètre 6. À hauteur du diffuseur numéro 4, il faut compter une vingtaine de minutes pour effectuer les 6 derniers kilomètres de cette autoroute A42. Sur l'autoroute A46, bouchon peu après le kilomètre 20, un petit peu avant la sortie numéro 4. Il faut une trentaine de minutes pour effectuer les 6 kilomètres qui séparent ce kilomètre 20 de la bifurcation avec l'autoroute A42, donc près d'une demi-heure pour effectuer 6 km. Et puis sur l'autoroute A600 en direction de Lyon-Centre, 5 km de bouchon avant le tunnel de Fourvière. C'est peu après le diffuseur numéro 34. À l'autre extrémité de l'autoroute A6, en région parisienne, il faut compter actuellement près d'une heure et demie pour effectuer le parcours entre la barrière de péage de Fleury-en-Bière et les portes d'Orléans ou d'Italie, près d'une heure et demie. Au lieu de 30 minutes quand le trafic est fluide. Et puis plus à l'est, sur l'autoroute A5A, en direction d'Evry et Corbeil, bouchon d'un kilomètre dans la bifurcation entre l'autoroute A5A et la chaussée intérieure de la Francilienne. Du côté de Clermont-Ferrand, sur l'autoroute A71, en direction de Montpellier, bouchon dès le kilomètre 386, il faut compter une quinzaine de minutes pour effectuer 4 km dans ce secteur où il y a une zone de travaux. Il y a notamment un basculement de circulation. De fait, il y a aussi un bouchon dans l'autre sens, en direction du nord. D'une moindre importance, quelques minutes de trafic perturbé. Sur les deux derniers kilomètres de l'autoroute A75 en direction de Clermont, les premiers ralentissements sont signalés à hauteur du diffuseur numéro 2. Les débats sur RCI Tout Info. Vu par Elodie, lui, moi et sa maman. Fais dodo mon cœur, bien au chaud parmi toutes ces fleurs. Bah oui, maman fait des rimes. C'est ta ravissante douillette rose à petites fleurs qui m'inspire et dans laquelle tu vas faire les plus beaux rêves du monde. Et oui, tu as même le peignoir assorti, mais ça c'est pour le bain demain matin. Chez Monoprix, à partir de 29,90€ la douillette bout de chou et 19,90€ le peignoir assorti. Bonne nuit mon bout de chou. Toutes nos envies sont chez Monoprix.
infos régionales, locales avec notre rédaction Ardennes. Bonjour, Ardennes, la formation, une priorité pour l'emploi. Conférence de presse par la région et Pôle emploi pour la mise en œuvre du plan de 500 000 formations dans les Ardennes. Un mort dans une collision entre un train et un poids lourd à Ebbe. Un père de famille retrouve les corps de ses deux enfants et leur mère à son domicile. Hypothèse criminelle. Migrants, les villes de Charleville et de Sedan favorables à l'accueil. Sport, Sedan battu par Chambly. Un groupe d'invest dans les Ardennes pour découvrir les opportunités avec le club en direct de notre rédaction, les dernières actualités. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI, les dernières actualités que vous avez eues de notre rédaction presse. Nous allons vous donner d'autres actualités dans le courant de la journée. Nous sommes le 19 septembre, nous sommes lundi, il est 9h08 et on se retrouve dans quelques minutes pour d'autres actualités sur RCI TV Ardennes.